D'ailleurs, il n'y avait pas un gigantoraptor là il y a 2 minutes? S'est fait manger le gigantoraptor? Il est décédé? S'est fait manger? Je crois qu'il s'est fait manger le gigantoraptor. Pam pa 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 pam pam pam. Les buissons sont toujours beaucoup trop hauts. Ça, je n'aurai de cesse que le dire. Et il faudrait peut-être faire gaffe avec les champignons rouges quand même. On va éviter de marcher dessus. Il y en a partout. Mais on va éviter de marcher dessus. Le pire, c'est quand ils font un remake et qui rendent inaccessible la vieille version du jeu. Ça, c'est pas cool par contre. Ça, j'avoue. C'est pas cool. C'est une blague! Dites-moi que c'est une blague! Hé, j'ai de la lumière de bulldog là! Hein. Je crois en vrai qu'il est pas allumé mon bulldog. Ouais, il était clairement pas allumé mon bulldog. Vas-y, mange-les! Mais là, faudrait que vous me disiez un petit peu les gens qui sont sur le serveur, c'est que moi ou qui attire les nameless ou... Ou vous avez des nameless aussi? Là, faut m'expliquer l'histoire, là. J'en ai jamais croisé encore. Mais en fait, ça se croise pas normalement les nameless, ça spawn. Ça spawn quand on est dans le noir. Mais what? T'aimes bien sa fille, c'est tout. Ok. Va falloir que je me fasse, je pense, un raccourci pour allumer le bulldog. Bon, avec le bulldog, ça va mieux quand même, ça se tue. En vrai, ils font pas si mal que ça. En plus, on a le Carnot. J'ai bien fait de prendre le Carnot avec moi. Bon, et ici, il faut manger des champignons marrons. Mange des champignons marrons et normalement c'est ok. Ok, c'est ok. C'est le bulldog qui prend les dégâts, c'est rien, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Et le Carnot aussi prend les dégâts. Il m'a fait peur lui. Mais il m'a fait peur! Voilà, ça c'est du métal! Voilà, du métal! Oh là là, quelle misère! Quelle misère! Au pire, tu le mets en allumage auto. Bah, le problème, c'est qu'il est justement en allumage auto. Et le problème, bah, c'est que son allumage auto, bah, il était en mode. Bah, je suis pas chargé, donc je m'allume pas. Garde la viande pourrie. On va monter ton attaque, toi, hein, clairement. Tapez, hein. Tapez fort, tapez très très fort et tapez toujours plus fort. Métal! Oui, métal! Je m'en doutais qu'il y en avait du métal ici et puis ce matin j'ai vu Oups venir ici pour récupérer du métal. Du coup, bah, ça m'a confirmé qu'il y avait bien du métal. Et je le savais en plus qu'il y avait des champignons qui protégeaient. Il est trop chargé en fait! Charger. Tu veux pas juste diviser? Mais non. Pas me diviser le... Genre. Divise de moitié. Tiens, prends ça. Et prends ça. C'est ok là, tu portes? Moi c'est un peu juste mais c'est ok. Si toi c'est ok... Bah, excuse-moi, j'ai regardé le live d'Oups.
Mais de toute façon, je le savais, hein. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles, Xena, que j'avais dit, il me semble qu'il y a du métal ici. Et juste que j'avais pas réussi à passer la zone. Parce qu'en plus de ça, je savais qu'il y avait des champignons, mais j'ai cru que c'était les aquatiques qui protégeaient. C'est les particules, là, qui sont là dans le ciel, là. C'est ça qui nous tue. J'ai besoin de m'hydrater. Hydratons-nous. Il est quel level, lui, en vrai? Parce qu'en vrai, clairement, je le tuerais bien. Neutre. Agressif. Passif. Atterrir. Attaque cette cible. Est-ce qu'on... Ouais, on va essayer de le tuer. Vous croyez que le Carnot, il arriverait à le tuer? Bon, techniquement, il fait pas de dégâts, donc ça va juste être long. Pour ça, je vais l'aider. C'est l'heure du petit jaune. C'est quoi le petit jaune? Ouais, ça se tue. Lui, il va donner de la peau. Lui, il va donner pas mal de peau. Ah, il fait que pousser, il tape pas. Ricard. D'accord. Ah, Ricard pour la douce. D'accord, il y a que moi qui ai pas la référence. Ok. Ok. Pourquoi tu saignes comme ça, toi? Carnot qui te fait saigner comme ça? C'est pratique, le Carnot, non? Vous en pensez quoi? Va pas mourir dans les particules, s'il te plaît. Le Carnot, il va le manger. Le Carnot, il va le manger tout entier. Fais pas ça! Laisse-moi! Laisse-moi la peau! T'as mangé tout? Ouais. Allez, viens. On va gentiment rentrer déposer tout ce magnifique métal à la maison. Avec également notre peau. Et voir si on peut pas du coup... Si on peut pas se faire un petit peu bah, des trucs en métal. Hein. Ouais. Là, il est allumé le bulldog. J'allais dire le Nameless. Si on confond Nameless et bulldog, maintenant, ça va pas aller. Je peux pas courir, en vrai, je suis trop chargée. Je suis trop chargée. Bon, vu que j'ai un parasaur tout pourri, si je pouvais en avoir un bon, ce qui veut dire pas celui-là. Ça pourrait être pas mal. Je sais pas si c'est une bonne idée de te laisser les manger. Hein. 120, 200, ça va, on a pas mal de poux, on devrait avoir ce qu'il faut. Contrairement à Ricard, qui n'est jamais trop chargé. Aïe aïe. Aïe aïe. Est-ce qu'ils vont les champignons? En vrai, ça va. Donc, du coup, en vrai, on a un petit spot de métal qui est vraiment pas très loin de chez nous. Là, je galère parce que je suis à pied. Mais sinon, il y a moyen que ça se fasse plutôt bien, le métal. C'est vraiment pas très loin de la maison, à dos de ravageur, ouais, ça ira tout seul. Là, on commence aussi en plus à se faire une petite armée, ça commence à être bien, ravageur Carnot.
On va commencer un petit peu à se mettre bien. Je peux faire et la selle du ravageur et la selle du carnot. Je me balade à dos de carnot. À dos de ravageur. Et là, c'est la merde. Et là, on risque peut-être de perdre le carnot. Ok, il s'éloigne, c'est cool. Carnot vs Ravageur. Je pencherai plus pour victoire des Ravageurs. Avoir plus de Ravageurs, ça serait pas une mauvaise idée. Ah non, tu vas pas le faire le con aussi, toi! Oh merde. Ça va, c'est cool, il est niveau 5, il est niveau 5, tout va bien. Non, parce que j'ai perdu ma défense, elle est paumée dans... Eh ben elle est partie se paumer là-bas. Ok. Là où j'ai posé la case, je sais pas, il y a une sorte de mur invisible et les dinos n'y ont pas accès. Je ne sais pas pourquoi, mais de toute évidence, ils n'y ont pas accès. Il va taper le paracer. Ok, le parincère est énervé, mais il ne tape pas. Je ne sais pas pourquoi. Il va peut-être se calmer tout seul, il est niveau 30. Ok, il m'est passé dessus. Mais ça a l'air d'aller. Il m'a juste marché dessus, c'est rien. Parincer contre Carnot tout pourri, je sais pas trop qui gagne. Hein. Bien que le parincer est niveau 30. Bah disons qu'il est passé et qu'il est un peu plus gros que moi, du coup ça fait mal. En vrai c'est good d'avoir des dinos comme ça qui nous suivent et qui nous protègent. À d'autres dinos ce sera encore mieux. Mais là ouais ça fait... En vrai ça fait du bien. On arrête de se faire massacrer, ça. Oh, c'est bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça soulage. Un stigou! J'ai paumé le carnot! Pourtant, je marche, hein. Mais ça va, il arrive. Il va mettre 3 jours, mais il va arriver. J'ai plus de bois. Peut-être falloir qu'on aille farmer un peu du bois. Allez, on va mettre tout ça à chauffer. Allumez le feu. Allumez le feu. Je sais pas où tu vas, mais tu sembles y aller. Ouais, c'est dommage pour la prime. C'est très très dommage. Diviser la pile de moitié. Je ne peux pas tout porter. Et est-ce que tu veux bien venir quand même vers tes copains? Va pas t'isoler comme ça tout seul dans ton coin. Voilà, reste auprès des copains. Les copains, c'est bien, faut se faire des copains dans la vie. Parce que comme ça, quand on se fait attaquer, ben on se fait défendre avec les copains. Et on a moins de chances de décéder. Et quand on meurt pas, ben c'est quand même vachement mieux. Ouais, je vous assure. C'est promis. C'est quand même vachement mieux de pas mourir. Ok, on a de la peau, on a de la pierre, on a tout plein de trucs. Est-ce qu'on a de quoi du coup, armure. Métal, j'aimerais bien faire le reste de l'armure.
Donc il me faut le casque. C'est en cours. C'est en cours et ça va prendre un petit peu de temps. Les champinarcos. Bah ouais, il y a des champinarcos. Je me trompe de touche. C'est terrible ça, faut arrêter de se planter de touche. Hop, mettons le casque moche. En vrai, techniquement, j'ai pas besoin de mettre le skin. Hein. Parce que je n'affiche pas le casque parce que j'aime pas le casque. Non, je voulais pas ouvrir ça. Je voulais jeter le bulldog en fait. Du coup, on va améliorer ta régène. Coucou Dark, comment ça va? Non, vraiment, je trouve qu'on commence vraiment à se mettre bien. On est bien. On est bien. Et du coup, la selle de ravageur, on peut la faire! C'est good, j'ai assez de peau. C'était la peau qui me manquait pour les selles de ravageur. Du coup, on est ok. On est ok pour la selle de notre petit ravageur. Voilà une jolie petite selle pour toi. D'ailleurs, ce qu'on va faire aussi, tant qu'on a du métal non fondu, parce que pour ça, il me faut du métal non fondu. On va faire une... ça s'appelle pas mangeoire? Ou alors, je l'ai peut-être pas appris. Mangeoire, je ne l'ai pas apprise. Donc, mangeoire. Bois et branchage. Du bois et du branchage. Bah oui, on commence à avoir des dinos et il serait temps de faire une mangeoire, non? J'ai pas de bois et de branchage là-dedans. J'ai plus de bois et branchage. Je me plante toujours de touches. J'ai une branchage, mais j'ai pas le bois. Ok! C'est pas grave. On a des arbres à côté. Des arbres. Ou plutôt, devrions-nous dire... des champignons! Eh oui! C'est pas des arbres, c'est des champignons! Regardez un petit peu quand même cette vue. En vrai, le jeu, il est beau. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Ça, sur les graphismes, ils ont géré. Hein. On ne dira pas le contraire. Le jeu est beau. Il a d'autres défauts. Mais en même temps, Ark... Ark, on va pas se mentir. Ils sont connus maintenant... pour les petits soucis qu'il peut y avoir. Mais bon. Je pense maintenant que en vrai, depuis le temps, tous ceux qui sont restés sur Ark, depuis tout ce temps, ils sont au courant des problèmes et ils les acceptent. Bon, c'est sûr, on aimerait mieux qu'il n'y en ait pas, mais bon... je crois qu'on va pas les refaire en un jour. Hein. Mais ouais, quoi, maintenant, faut se dire que... bah... on attend toujours du mieux, mais il y aura toujours des bugs. Si vous connaissez pas Ark, que vous voulez vous lancer, dites-vous qu'il y aura des bugs. Ark, c'est moins pire que Conan. Hein. C'est vrai que Conan, je crois qu'il me semble que j'avais eu des bons gros bugs aussi. Hein. Conan... il a des problèmes aussi, je crois bien. Pas des petits non plus. Après, il y a des bugs qui peuvent être plus chiants que d'autres. Ark, zéro bug. Un jour, peut-être, qui sait. J'y crois pas trop, mais qui sait. Ça serait beau, hein, un jour. Après, il peut y avoir des bugs, mais il y a des bugs qui sont plus ou moins chiants, j'ai envie de dire. Il y a plein de bugs, donc voilà. C'est vrai que Conan, j'avais été obligée de demander à Carlette, qui avait le serveur à ce moment-là,
De me give je ne sais plus quoi, l'item de fin. Parce que quand j'étais arrivée, j'étais là, je me... Ouais, ça y est, je vais quitter la zone, j'ai mon item, je peux... J'ai tout ce qu'il faut pour crafter l'item, pour retirer le bracelet. Et au moment où je le crafte, eh bah... Ouf, ça me prend mes items, mais j'avais pas la clé. Rip. Genre en mode... Quoi? Eh, il est où mon truc? Elle est où ma clé-clé? Ça m'a utilisé les items, mais pas de clé pour retirer mon bracelet. J'ai joué à Skyrim à sa sortie, c'est bon. En vrai, Skyrim, c'est un jeu que j'ai jamais joué. Dis-nous tout. Est-il extrêmement buggé? A-t-il été extrêmement buggé à sa sortie? On va réparer notre stuff. Ouais, tant qu'on y est, on va réparer. Hein. Réparation. Réparation. Et où est mon torse? Réparation. Et ben voilà. Une bonne chose de faite. Ce que j'aimerais bien faire également maintenant, c'est... Mêlée. Je crois que je ne l'ai pas apprise. Ouais, il n'y a pas l'accent. Oups! La petite épée! C'est 50 de métal, je crois, l'épée. De souvenirs, comme ça, de tête. Du coup, il va falloir attendre que tout cela vienne à fondre. Du coup, il me faudrait des petites flèches tranques. Armes, munitions. Munitions. Faut refaire des baies. Avec notre super parasaur totalement incroyable. Qui est ici. En vrai, il est pas moche. Hein. Il est beau, notre parasaur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il est beau, ce parasaur, non? Quel level, toi? T'es niveau 20. T'es nul, hein, complètement nul. Mais t'es plus haut level que lui. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Allez. Donne-moi des narcoberries. J'ai cru que j'avais level up, mais en fait, je suis pas prête de level up. Hein. Là, maintenant, moi, pour que je level up, c'est compliqué. Je level up près dans... Dans 10 ans, je crois, peut-être. C'est juste les levels qui sont dégueulasses. Bah, écoute... Dans la vie, on ne peut pas tout avoir, malheureusement. C'est... Comme ça. C'est compliqué. Non mais j'avoue que niveau 10... niveau 10... on peut difficilement faire pire. Donne ton bois, ton branchage. Et le reste, en vrai, on s'en fiche. Tu peux tout jeter. Un petit peu, il y avait certains nombres de quêtes buggées, le jeu qui plantait tout seul, la corruption de sauvegarde. Tu peux toujours pas faire, de retour Windows sans avoir un bug de souris, etc. Il faut installer pas mal de mods pour régler les problèmes, même de nos jours. Ah oui, quand même! Attendez, les mecs, ils ont fait des mods pour régler les bugs? Genre vraiment? Pour parer aux bugs, ils ont fait des mods. J'ai 110, youhou. Mais, oups, c'était un petit échité, tout. 101 plutôt, pas 110. Quoique, techniquement, tu peux monter 110. J'aime pas quel level on peut monter max, là, maintenant, nous. Avec les boss qu'on a fait, tout ça, tout ça. Oh, y a pas assez de plantes dans mon petit coin. Je suis vraiment dans un petit coin isolé. Oui, oui, les mecs ont fait des mods pour régler les bugs. Oh non! Ah ça c'est fort. Ah ça... Ça j'avoue c'est balèze. Mais en vrai faut pas se mentir, plus un jeu est compliqué, plus un jeu est gros, surtout en monde ouvert tout ça, plus il y a de risques de bugs. En vrai les jeux à force de se développer ils deviennent de plus en plus...
Bah, y a de plus en plus de choses, quoi, dans les jeux, et... Et du coup, bah, y a plus de risques de bugs. C'est sûr qu'avant, quand on faisait du Pac-Man... Ah, s'il y avait moins de bugs. Il y avait clairement moins de bugs. Mais voilà, les jeux sont devenus beaucoup plus compliqués. Et tout est compliqué. Oup, 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 des graines. Ça, je prends ces graines. Et le reste, on peut jeter. Cinq levels par boss. On a fait deux maps, donc 10 levels de plus que la base. Ibi. Ibi. De plus en plus d'interactions entre les différents éléments du jeu qui rendent difficile de tout débugger. Bah ouais, ouais, ouais. Ouais, les jeux, ils deviennent très compliqués. Il y a beaucoup de, beaucoup plus de paramètres à prendre en compte qu'il y a 10 ans. Eh oui, c'est compliqué. Ça devient très compliqué le codage de jeux vidéo. C'est pour ça que bah, y a des jeux, ils mettent des années à sortir. Après, ça va, ils sont propres, il n'y a pas de bug. Ouais, il y a quand même encore des jeux qui bug, qui bug pas. Et même sur un jeu qui on croirait bug pas, il y en a toujours, ils arrivent à trouver des bugs. Le pire, c'est quand le jeu a des mises à jour régulières. Par exemple, le problème de LOL avec Skarner. Alors, je suis désolée, je ne joue pas non plus à LOL. Et là, on va dire, mais sa vie, tu joues à rien du tout, voyons. Bah, en fait, je joue principalement à des jeux de survie. Voilà. Voilà. Ah, chacun son type de jeu. J'en avais besoin de pourquoi de tout ce métal? Pour faire une épée, j'en ai toujours pas assez. Mais en revanche, on se refait quand même... pas mal de peau de narco, ce qui veut dire pas mal de flèches tranquilles. Et avec toutes ces jolies petites flèches tranquilles, ben on va les tamer. D'autres ravageurs. Je veux une armée de ravageurs. Je veux 50 ravageurs avec moi pour mon escorte. Pour arrêter de me faire tuer. Ouais, et il me faudrait peut-être... peut-être un autre bulldog. Un pour la maison. Et un pour l'exploration, vu que maintenant je me fais taper dessus par des Nameless. Hola Amy, comment ça va? Voilà, il y a tout ce qu'il faut, on est ok. Peut-être pas des blés blanches, hein, c'est pas nécessaire. Arc, j'ai modé le jeu... J'ai des humains PNJ dans le jeu. Oh, ça doit être bien ça. Ça en vrai c'est un truc je pense qui manque un petit peu. Et que je trouve ça bien sur, sur Soul Mask. Voir des PNJ quoi. Alors il voulait rework un perso du nom de Skarner. Sauf qu'au fur et à mesure qu'ils essayaient de le modifier, ils se sont rendus compte que tout le code du jeu reposait sur lui. Et du coup, dès qu'ils voulaient faire un changement dessus, ils faisaient absolument tout planter. Ils ont du coup mis plus d'un an à apporter le rework demandé. Waouh! Alors, Amy, no habla espagnol. Tu sais bien l'espagnol, je pense, ouais. Ouais, c'est de l'espagnol. Clairement, no habla du tout espagnol. Vraiment. Pas. Oh, non. Pédale. Espagnol, zéro. Moins 20 ans d'espagnol. Déjà, l'anglais, c'est pas fameux. L'espagnol, c'est pire. Comment on peut dire si t'as un problème? C'est moi qui ai demandé hier à rejoindre le serveur. Oui. Oui, oui, oui. It's okay. Yes.
faut demander à Carlette. Voilà. C'est ça, je veux dire. S'il y a un problème, faut que tu voyes Carlette. Elle va servir d'intermédiaire. Carlette intermédiaire. Joaquin Will dit et la personne qui... Ouais, Pagis, c'est un pro. Pagis intermédiaire aussi. Le problème, c'est que le serveur n'apparaît pas dans la liste des serveurs. Solo Carlette à bloc espagnol. Comment je peux expliquer ça? Je sais pas, en vrai. En vrai, j'ai envie de dire... je pense que tu utilises un traducteur automatique. Carlette, elle a trouvé le serveur, donc à la limite, je pense qu'il vaut mieux que tu lui demandes directement. Je pense que ce sera plus simple. Est-ce qu'il faut aller du coup dans les serveurs, dans les paramètres... Oh mais merde, je sais même pas comment expliquer ça. Je sais pas, tout le monde il l'a bien trouvé pourtant le serveur. Je vais voir avec sur Discord. Ouais, vas-y, oups, vas-y. Je compte sur toi. Toi, habla espagnol. Ou English. English. Bah, jusqu'à présent, il n'y a personne qui a eu de problème pour rejoindre le serveur pourtant. Carlette. Où est Carlette quand on a besoin d'elle? Où est Carlette? Aïe aïe. Je crois justement que c'est Carlette qui te l'envoie. Oui, il me semble. Hein. Il me semble que c'est Carlette qui... Qui lui a dit que qu'on avait un serveur, c'était ok. Je pouvais venir. Mais ah bah elle me l'a envoyé maintenant, faut que je gère. Moi je parle pas espagnol. Hein. Ah ça va, il y a Oupsi va s'en occuper. Oupsi gère. Oupsi parle couramment espagnol, c'est sa deuxième langue natale. je vais pas faire une selle d'ailleurs pour le carnot, moi tiens, quand on y est. Carnot tous or. Oh, il faut 30 de métal. Je crois qu'on va retourner faire un peu de métal en vrai. Hein. On va prendre le ravageur, on va aller faire un peu de métal. J'ai tellement peur qu'il meure, le ravageur, sérieux. J'ai tellement galéré pour avoir des dinos, j'ai peur, il meure. C'est horrible, j'ose pas l'emmener parce que j'ai peur, il meure. Ah. Ah, je sens qu'on va se faire tuer. Je sens qu'on va se faire tuer au premier groupe de ravageurs qu'on va croiser. Et je sens qu'on va en croiser des groupes de ravageurs. Qu'est-ce que je disais? Les machins, ils sont 4. Il y a un mouton. En vrai, j'essaierais bien de les attirer... dans la cage. Histoire potentiellement d'en tame 1 ou 2. Mais je le sens moyennement. Ah ! Je suis tombée dedans. C'est bon, il avait le même bug que moi avec la case affichée les serveurs protégés par... Ok ! C'est réglé, c'est ok, c'est good. GG. Oups, professionnel. Ils sont passés où les ravageurs?
sont là. Au cours. Ok, il y a un niveau 20 en cage. Il y a une araignée. Et il y en a plein d'autres. Toi, c'est faux, t'es pas à niveau 1. Tu mens. Je sais pas quel level tu es, mais tu es certainement pas niveau 1. Tu es un menteur. Ils sont en train de tuer le mouton. On ne sonnera jamais son niveau. J'en ai toujours un qui est en cage. Et il y en a encore au moins deux qui sont... J'espère apprendre un peu le français avec toi. Bah écoute, avec plaisir. Hein. Si t'arrives à suivre toutes mes bêtises. GG à toi. Toi t'es niveau 20, t'es un petit peu nul. On tue. Il est un petit peu nul, mais ça peut être utile. Hein. En vrai, ça peut être utile. En vrai, ouais, je pense qu'il peut être utile. Wow! Fais pas ça, hein! J'ai peur que les deux autres ils soient partis attaquer mon ravageur qui est là-bas. Là, il sort et elle meurt. Mais non. Ok, lui il fait dodo. En vrai, j'ai peur qu'ils aillent attaquer mon ravageur qui est resté là-bas. Je sais pas où est-ce qu'ils sont partis, les deux autres, là. Et même si c'est pas un très bon ravageur, je me dis que... ça peut toujours faire de la défense. Ça fait des dégâts en plus. Bon, il a l'air d'être parti. On va se dire que c'est ok. On va se dire c'est ok. C'est pas ok. C'est clairement pas ok, cette histoire. Ça va, t'inquiète. Je le gère pas du tout, mais t'inquiète, ça va bien se passer, petite araignée. J'ai peur des ravageurs. J'ai tellement peur des ravageurs, en vrai.